Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Yep tout le monde, c'est Calisorix TV, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Brouhaha. Ben du coup, on est parti les potes, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est Brouhaha? Ben c'est un petit jeu de combat, voilà, un petit jeu de combat, de toute façon vous allez très vite comprendre. Alors c'est un jeu que je connais déjà, c'est un jeu que j'ai saigné sur Xbox One. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo mais sur PC. Alors du coup, juste voir les potes, si, et eh ben, si, est-ce que les persos c'est les mêmes, est-ce qu'il y en a plus, alors déjà, le perso que je préfère au jeu, c'est Ada, voilà, elle coûte 3900 pièces, les pièces on les obtient en faisant des games, voilà, en gagnant des parties, voilà, on gagne des pièces, et avec ces pièces là on peut acheter des nouveaux personnages, tout simplement. Alors du coup, ouais, ok, bon, voilà, Ada, ce qui est intéressant c'est qu'elle a deux flingues, et elle a aussi une grande lance, et ce perso là je l'adore. Donc là on va un peu jouer avec des persos au random, voilà, des persos où je me sens pas trop à l'aise avec, c'est histoire que je débloque les pièces. Après on va pas que acheter Ada, il y a Ada que je kiffe, c'est un très bon personnage, il est assez complet. Le perso que je kiffe c'est Atori, j'adore aussi, à 5400. Atori il est pas mal aussi. Koji c'est une dinguerie aussi. Super perso, il est complet. Lui c'est une dinguerie. Nyx à 5400 avec sa grande faux là, c'est juste... il est trop fort. Ça c'est un perso aussi, il est vraiment pas mal. Et il y a un perso que j'adore aussi. Il est où c'est Isa machin, il est ouf. Voilà. Isaïa. Ouais, je sais pas si je le dis bien les potes, mais bon. C'est lui là en tout cas. Voilà. Isaïa. Ouais, Isaïa. Ouais, on va dire ça comme ça. Isaïa. Donc lui aussi il coûte assez cher, 5400, mais il est vraiment intéressant. Il est complet. Si vous voyez bien en bas, ben, il a une très bonne défense. Voilà, il a 7 barres en défense, et ce qu'il faut savoir quand tu montes les niveaux sur un perso, ben tu peux lui monter son attaque ou sa défense. Et ce perso là, ce qui est intéressant avec, c'est que si tu le montes et tout, en niveau, eh ben tu peux lui mettre plus 2 en défense. Donc il aura 9 barres en défense. Donc pour le tuer, il faut y aller quoi. C'est pour ça qu'il est très intéressant ce perso, c'est pour la défense. Il est vraiment pas mal. Ouais. Bon, je suis en train de voir un petit peu tout vite fait, voir si c'est pareil que sur console ou voir si c'est s'il y a plus de choses ou pas, tout simplement. Ouais, ok, bon, les items, ouais, ok. Bon, ça s'achète avec de la vraie monnaie, quoi, donc du vrai argent. Mais clairement, je trouve pas qu'il y a le besoin sur ce jeu-là de mettre des sous. Franchement, moi c'est un jeu, je l'ai vraiment beaucoup joué sur Xbox One et j'ai acheté beaucoup de personnages comme là, 5400 pièces. C'est assez long certes, mais voilà. Après je les ai pas tous achetés, mais j'en ai franchement au moins acheté une dizaine, au moins. Alors, du coup ce qu'on va faire. Ouais, on va balancer du 1v1 contre un joueur en ligne, c'est pas contre l'IA ou quoi, c'est vraiment contre des joueurs en ligne. Sauf que là, on peut sélectionner 3 persos. Alors, dès qu'on meurt avec un perso, et ben, ça va nous mettre le deuxième qu'on a sélectionné. Donc là, c'est un peu des persos random, donc on va prendre le mage que j'apprécie et que je connais. Un petit peu, du moins. Lui, il est pas mal, clairement. Ouais, et après, par contre, en troisième, lui, c'est une horreur. J'aime pas. Pourtant, voilà... Ouais, il a une bonne vitesse et tout, mais ouais, non, j'apprécie pas. Ouais, on va plus prendre lui avec sa lance, ça peut être pas mal. Donc on va aussi voir si les joueurs PC sont meilleurs que sur console. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs, c'est même évident, donc on va voir. Alors j'ai oublié de préciser, je suis sur PC, mais à la manette. Voilà, je joue pas clavier-souris.
Donc on est parti. Ah là là, ça fait trop plaise. Allez, premier joueur. Ok, bon. Je vois déjà qu'il a des persos qu'il a achetés. Voilà, que moi je joue avec des persos random, donc c'est le temps d'avoir les pièces. Non, il a pris l'arme. Allez, il est déjà au sol, une vie en moins. Concentré. Allez, viens là. J'ai la petite bombe. Allez, viens là, viens là. Chaud parce que j'ai la vie qui est rouge, alors il me donne un coup, je meurs. Et allez hop, il nous reste une vie, on a encore trois vies, on n'est pas trop mal. Il a posé une mine, mais je l'ai vu, ta propre mine. Mais je l'ai vu, t'inquiète pas, fraté. C'est chaud. Reste en haut. Oh là là, j'adore. Oh là là, je lui cale les deux bombes. Oh le pauvre quoi. Ah, il a tellement pris cher. Bon, on va s'en relancer une. Alors du coup, premier perso, c'est elle. On avait mis... lui, on l'a déjà pris. Ouais, on va prendre elle du coup, comme tout à l'heure. Si j'étais pas de bêtises, on avait pris elle en troisième perso. Allez, on s'en relance une. Oh, c'est du kiff, hein. Oh là 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 là.
Je kiffe les potes. Je kiffe trop là. Bon, ils savent jouer sur PC, attention. Ils savent jouer quand même. Ah, laisse-moi prendre l'arme, frère. Ouais. Il joue bien, il joue bien. Il joue même très bien. Non. Ah ouais, c'est chaud. Il joue bien parce qu'après, voilà, il a aussi des persos qu'il a achetés. Hein. Moi, j'ai des persos basiques. What, il a même pas pris le coup. Ah, il m'a enlevé pas mal de vie, on va devoir faire gaffe. Ouais, il joue bien. Il joue vraiment super bien. Ah, c'est chaud. C'est chaud parce qu'il a des persos achetés. Il a des bons persos en plus. Une vie chacun, c'est chaud là les potes, c'est très chaud. Allez hop, victoire mon gars, je l'ai pas laissé prendre l'arme, hors de question. Ah là là, bah écoutez, deux games, deux victoires, on s'est mis bien. Bon bah voilà, c'était vraiment une petite vidéo courte pour vous montrer ce jeu là. Du coup voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir. Je pense qu'on continuera un petit peu jouer au jeu histoire de débloquer des pièces. Et avec ces pièces là, vraiment acheter bah, des persos quoi. Parce que là j'ai vraiment joué avec des persos de base au fait. Hein, voilà, des persos déjà sélectionnés. Entre guillemets, voilà, que moi j'aimerais bien acheter Ada, j'aimerais bien acheter, comme je vous ai dit tout à l'heure, Atori. Les trois persos que je veux, c'est vraiment ça, c'est Ada, Atori, et il est où l'autre là? Soit Nyx en troisième, ou celui-là à 5004, à voir, voilà, donc, pour avoir ça, il faut un bon petit 15 000 en pièces, donc il faut quand même jouer, donc on verra, on verra.
Bon bah écoutez, prenez soin de vous en tout cas, très important. N'hésitez vraiment pas à partager la chaîne, à mettre un petit like, c'est la récompense, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, ça m'aide beaucoup. J'avancerai pas tout seul les potes, je le dis souvent, mais c'est vrai. Je compte sur vous, je compte vraiment sur vous. C'était Kalisorix TV, on se retrouve très bientôt. Activez aussi la petite cloche, je suis vraiment actif. C'est minimum une vidéo par jour, donc n'hésitez vraiment pas à activer la petite cloche. Voilà. Allez, c'était Kalisorix TV, on se retrouve très bientôt. Bye bye.